鈴木浩二のパワートーク、専門家による解説編、22年バージョンです。オラノはフランスパリ近郊に本社を置く世界最大の原子力産業会社で、傘下に複数の原子力産業企業を有しています。今回はそのオラノの日本法人で社長のジャンピエール・グロさんにフランスや日本のエネルギーの現状に対するご意見を伺いました。La crise énergétique de l'Europe s'est accélérée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais comment la situation a-t-elle évolué depuis février dernier ? Ah bien, la guerre en Ukraine a conduit à un choc énergétique majeur en Europe, qui se manifeste par deux éléments importants. Le premier, c'est une hausse considérable du prix de l'énergie. Le deuxième, c'est un risque important de rupture d'approvisionnement, en particulier du gaz. Et donc, cette guerre en Ukraine a renforcé le besoin en indépendance énergétique des pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est très satisfaite de disposer d'une autonomie énergétique importante grâce au nucléaire. Un autre élément a évolué suite à la guerre en Ukraine, c'est la perception du public vis-à-vis du nucléaire. C'est vrai au Japon et c'est vrai en France. Cet été, il y a eu un sondage au Japon, publié par le Yomiuri Shimbun, qui a montré que 54% de la population japonaise était en faveur du nucléaire. Et ça, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. En septembre, la France a fait un autre sondage, qui a été publié par le journal du dimanche, et qui démontre que 75% de la population française est en faveur du nucléaire. Et donc il y a eu un revirement important des opinions publiques en faveur du nucléaire. Malgré le renchérissement du coût de l'énergie, la population française est partiellement épargnée par la hausse des prix de l'énergie. C'est dû d'une part à la part importante du nucléaire dans le mix énergétique français, même s'il y a eu cet été quelques indisponibilités de réacteurs dues à des opérations de maintenance. Et c'est également dû, bien sûr, au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement français. Néanmoins, la rapidité de la crise ukrainienne, qui s'est manifestée par une rupture des approvisionnements en gaz russe, va nécessiter la mise en place d'un plan de sobriété énergétique, en particulier pour passer l'hiver à venir. Mais ce plan de sobriété énergétique pourrait durer plus longtemps.